psychologiquement, c'est difficile parce que ce sont souvent des patients jeunes et des cas quand même très lourds et très mutilants, même si après, il y a des reconstructions. Ça me touche toujours. On ne peut pas rester insensible quand même, on est humain. Mais bon, après, on rentre dans l'intervention et en fait, ça devient... Voilà, ce qu'on a à faire, on le fait bien et on se concentre là-dessus. On touche aussi une petite partie d'angoisse aussi, parce que bon, c'est un patient jeune, à peine 21 ans, entendu, c'est quand même... On voudrait faire le mieux. Moi, je ne rentre jamais au bloc opératoire sans dire deux mots à Dieu. L'homme a besoin d'espoir pour vivre. Et cet espoir, il n'y a que Dieu qui peut nous donner.